Salut, on se retrouve pour un petit haul. Alors, je vais commencer par celui-ci, qui est arrivé plutôt que prévu, un jour avant. Alors, c'est ce que je vous disais que j'avais commandé. Je vais vous montrer. Bien sûr, vous allez voir là-haut. Séverine. Le collier que je vous disais, puisque l'œil est protecteur. Et je vous disais que moi, c'était pas mon truc, je trouvais pas ça super top, quoi. Mais j'ai bien aimé celui-ci. Et je me suis dit, bah, écoutez, pourquoi pas. Il y en a trois. Un, deux, trois. 4, il y en a 5 dedans qui se mettent donc ensemble, qui serait bien que ça ne se voit pas tout emmêlé. Ben voyons, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Aïe, 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 aïe. Sève. Oh, misère. Mais regardez. Zen, restons zen. Alors, je démêle et je reviens. Yes, j'y suis arrivée. Donc voilà. Donc voyez, vous avez l'œil de protection. Ici, voilà quoi. Comment il se présente, je l'ai trouvé assez sympathique. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite. Pourquoi est-ce que je prends ce. Je n'en sais rien du tout. Cherchez pas. Ça, c'est ça met un grand paquet pour une bague. Oh, je suis d'humeur. Donc c'est la même que celle que j'ai mis en or rose. Et ben encore un autre sachet que je vais garder, qui va me servir très vite d'ailleurs. Donc là voilà, celle-ci. Vous voyez, hop, elle est comme celle-là. Et j'ai pris la taille en dessous. Hop, pour pouvoir la mettre, ben, je sais pas, là, pourquoi pas. Voilà. Hop, et attention, je vais rester, voilà, hein, on va faire ça comme ça, et ça tourne, j'adore. Ensuite, ça doit être la deuxième. Je dirais. Non, c'est les boucles d'oreilles. Ce sont les boucles d'oreilles. En cristal. Ah, c'est toujours bien emballé. Hein. Donc. Voilà. Comment elle se présente. Ça va rendre pas mal, j'ai l'impression. Attendez, ça sera peut-être plus bien comme ça. Ouais, ça va être pas mal. Nous avons une lune, une étoile et le cristal. Tip top. Donc je vais les mettre là pour pas les casser, parce qu'avec moi on ne sait jamais.
Donc ensuite, je suppose que voilà, ce gros paquet là, hein, c'est pour la bague. Je vais garder le sachet. Donc c'est le même principe, mais celle-ci, voyez, elle a des petits strass. Et c'est le même principe. Et je me suis dit que je pourrais peut-être la mettre. Non. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Là non plus. Mais là. Voilà. Si je veux changer de doigt, la mettre là. Étant donné que celle-ci, je peux la mettre aussi. Si je veux, je peux peut-être faire ça. Vous voyez, hop, ensemble et hop, allons-y gaiement. Voilà, ça change. Et pour terminer, le lot de bracelets. Si avec ça, j'ai pas un petit peu de chance, je vais rentrer, je sais pas, peut-être aller faire un tour chez les bonnes sœurs. Être tranquille là pour essayer de faire une petite retraite spirituelle. Je sais plus. Il faut tomber deux bracelets à breloques d'arbre de vie. Donc or jaune, or rose, or jaune et argenté. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, livre qui devait arriver samedi, mais qui n'est pas arrivé samedi. Enfin bon. Alors. Je me suis pris celui-ci. Écoute le sang. Je me désole toute seule. Écoute le chant des songes de Pauline Eyo. Que je viens de découvrir et que j'adore. C'est une autrice auto-éditée. Et franchement, j'adore. Donc je me suis dit je vais prendre son premier livre qui m'a l'air pas mal du tout. C'est un Figou en quête de soi. Un roman qui place l'humain au centre de l'histoire avec les doutes, les faiblesses. Il questionne sur nos choix de vie et sur ce qui nous lie les uns aux autres. Hâte de le lire. Ensuite une autrice que j'avais envie de découvrir, Jupiter Fatheon. Et j'ai pris Lou. Cupcake et catastrophe. J'aime beaucoup la couverture. C'est un monde où les loups-garous se marient, les vampires font la fête et les cupcakes peuvent être une arme redoutable. Laisse-toi embarquer dans cette aventure où l'improbable devient la norme et où le surnaturel se mêle à la réalité quotidienne. Bienvenue dans Loup, Cupcake et catastrophe. Ça me tentait bien, donc je me suis dit pourquoi pas. Agence événementielle pour surnaturel 1. Il y en a plein comme ça. Ça, c'est le tome 1. Et franchement, je trouvais ça assez sympatoche. Envie de faire partie de la communauté de l'ordre des pandas et de découvrir des nouvelles inédites et gratuites. Et nous avons un QR code pour boire. Et j'aime bien parce que c'est quand même écrit assez gros. Et pour finir, ça fait longtemps que je l'ai. Ça doit faire un an que je l'ai mis en... Ouais, peut-être un an. Dans ma wishlist. C'est un livre qui s'appelle Grimoire. Comme ceci. Voilà. Comme ceci. Et... C'est un livre pour tout simplement mes collages, mes écrits. Et je l'ai trouvé, j'ai trouvé qu'il était sympa le nom. Il n'a rien de particulier à part la première page. Et ensuite, c'est que des pages comme ça. Alors, vous savez mon amour pour l'écriture.
je me suis dit qu'il serait parfait. Je le trouve très 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 joli. Voilà. Voilà pour ce petit haul. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous aurais mis bien sûr pour mes achats AliExpress et puis les autres le prix ici avec la photo. Oui, voilà. Bah écoutez, prenez bien soin de vous, de votre famille et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo.